Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 22e épisode de la série Dex'High en Normandie, avec le roi Eginolf le Téméraire. On en était où? On en était qu'on venait de finir une nouvelle guerre pour récupérer Léon, qui est maintenant à nous. Alors, je vais prendre 2-3 petites minutes pour vous résumer un petit peu. J'ai fait passer un tout petit peu le temps. Un mois et demi, peut-être maximum, entre les deux épisodes, tout simplement parce que j'ai fait un peu de tri dans ma cour. Honnêtement, j'ai fait du tri dans ma cour. J'ai invité pas mal de personnes aussi à ma cour. J'ai fait des mariages dans ma cour avec des nouveaux personnages. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, au niveau des points, j'ai regardé. Donc ma femme qui est une génie, bah, notre dernière fille est une génie. Bon, dommage, ça arrive un peu sur le tard, mais c'est mieux que rien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai refait un petit point dans mon conseil. Ce qui est bien, c'est que j'ai trois personnes qui m'aiment dans mon conseil. À la base, j'en avais que deux. J'ai changé mon maître espion, j'ai mis ma femme. Donc maintenant, j'en ai trois. Donc là, ça va être le moment de passer des lois dès que possible. Je les ai un peu réattribués au niveau de ce qu'ils ont à faire. Parce que le chapelain, je me suis rendu compte que... où est-ce qu'il est le chapelain? Il est là. Je me suis rendu compte que dans ce comté, c'était des hérétiques catholiques de la région vaudoise. Donc je l'ai envoyé là-bas pour faire un petit peu de nettoyage. J'ai testé toutes les possibilités possibles. Je crois que ça ne veut rien dire, les possibilités possibles. Hein. Ah, il a des boutons de fièvre. Ouais, il a acheté des boutons de fièvre, on s'en fout. J'espère très fort que ce personnage, qui a une femme de 44 ans, ne tombera pas enceinte, hein, comme vous l'aviez vu. Je l'ai fiancé à mon fils, de façon non matrilinéaire. Donc si ça reste comme ça et que tout va bien et que elle survit et que on récupérera Penthièvre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Oui, donc beaucoup de mouvements. J'ai investi dans mes technologies aussi parce que je me suis rendu compte qu'au niveau religieux, en fait, la majorité des comtés qui sont chez moi en religieux ne pouvaient plus avancer. Ils avaient tous ça. Enfin, ils avaient ça sur certains quartiers en tout cas qui faisait qu'ils attendaient une augmentation pour pouvoir avancer, donc j'ai dit allez, on va le faire. J'ai fait quoi d'autre? Religion, non. Société, malheureusement, toujours non. Je suis désolé. Faction, non. J'ai un petit peu regardé les complots, dégagé ce que je pouvais dégager. Je soutiens toujours ce complot-là. Ouais, alors je sais pas si j'ai encore envie de le soutenir, ce complot, parce que finalement il m'apprécie. Non, moi je vais arrêter de le soutenir. Après, il arrivera ce qu'il arrivera, hein, bien évidemment. J'ai lui qui doit arrêter parce qu'il fait un complot pour revendiquer mon duché. J'ai arrêté le complot de vouloir l'assassiner, lui là, parce que voilà, je pense que je n'y arriverai pas et on verra, on va attendre, essayer dans un moment. Ouais, donc lui c'est emprisonnement justifié, mais ça va plus l'être. J'ai refait un petit peu le point dans tout ça. Ouais, bah les troupes de mes vassaux mobilisées depuis longtemps. Alors, pour ceux qui avaient vu que j'avais une petite coalition contre moi, quand j'ai avancé le temps un mois et demi après, je vous dis à peu près, je vais avancer un mois et demi, 2 mois, hein, pas beaucoup plus. Il s'est rien passé, hein, sinon je vous le dirais. La coalition s'est complètement arrêtée. Donc ça va, il n'y a plus de menaces, il n'y a plus rien. Faut quand même que je fasse gaffe. Ah oui, également, parce que ça vous l'avez pas vu. Vu que j'ai assez de territoire dans le duché de Bretagne, parce que je suis roi de Bretagne aussi maintenant, je dis roi de Normandie et roi de Bretagne, faut savoir également que j'ai usurpé le titre de duc de Bretagne, que j'ai redonné à cette personne-là qui était déjà comte, qui était comte de Vannes, voilà. Donc cet endroit-là n'est plus qu'un comté. Bon, il est toujours bien sûr sous ce seigneur-là, hein, donc il faudra encore faire de la guerre pour le récupérer, mais ça va. D'ailleurs, je crois que je peux le faire si je veux dès maintenant, hein, en fait. Mais j'hésite parce que je peux le faire, de jure, mais je voudrais essayer de revendiquer d'abord ces deux-là qui me sont encore plus importants. Pareil, je vais essayer de récupérer. Alors, j'ai plusieurs choses. C'est-à-dire que ça, je peux lui récupérer, de jure, enfin, sans avoir de revendication. Ça aussi. Mais je peux pas tout faire dans la même guerre. Parce que ça, ce serait super pour relier tout ça. Ça, bah, j'attends que mon gars, mon conseiller, mon chancelier réussisse. Comme ça, ma priorité, c'est que je réussisse ça et que je puisse revendiquer ces deux territoires en même temps. Ce serait le top. Donc voilà, honnêtement, on a une place à se faire en Angleterre. Je pense qu'on va essayer de la faire, mais on va y aller quand même doucement. Hein. Je veux déjà essayer de revoir tout, d'avoir tout ça, et puis on va voir comment les choses évoluent. Hein. Clairement, on va pas se prendre la tête. Voilà, l'Angleterre à quoi elle ressemble aujourd'hui, elle est quand même assez faible.
Donc voilà, j'ai pas mal parlé, excusez-moi, mais je voulais faire un petit point avec vous sur tout ça. On va relancer le jeu et puis on va voir comment ça se passe. Ouais, j'étais en vitesse 5, hein, donc c'est bien pour vous prouver. Alors, il y a peut-être un peu plus de 2 mois, hein, du coup, mais ouais, bon, après j'ai des suggestions de fiançailles. Bref, j'ai fait pas mal de choses. J'ai hérité de la baronnie de Cherbourg, c'était marqué que que je pouvais en hériter, mais j'en veux pas, une fois de plus, donc hop. Arrêtez de me donner ça. Non. On recommence. Oui. Crée un nouveau vassal. Voilà. Et puis, bah, toi de te débrouiller, quoi. Je sais pas, trouve-toi une femme, fais quelque chose. Enfin, quoique les successions commençaient, je sais, c'est du partage salique, oui, donc c'est bon. Ah, une révolte vaudoise encore contre moi. Bah, encore à Rennes, hein. Putain, décidément. Ils sont vraiment chauds là-bas. Mais bon, une fois de plus, je vais les faire tomber, hein. Il n'y a pas trop de soucis à se dire à ce niveau-là. Alors, va peut-être falloir que je revoie pour mettre plusieurs points de ralliement, parce que là, bon, maintenant ça devient un peu compliqué. Donc toi tu restes là, toi tu restes là, toi tu restes là. Tous les autres, vous allez là. On va changer, on va les mettre tous ici, tous ici. C'est chiant parce que j'ai les, comment on appelle ça, les vassaux qui se plaignent. Voilà. Ah, alors attention. Eux ils viennent là, donc on va ranger les troupes qui sont ici. Ils viennent aussi là, donc on va ranger tout ce monde là, voilà, comme ça. On va tranquilliser tout ça et puis on va attendre que tout le monde arrive. Voilà, ils se séparent. Bon, c'est dommage, ils s'étaient séparés, mais ils vont se remettre ensemble. C'était bien qu'ils se séparent à la limite. Mais bon, ça va pas être un gros gros danger, hein. Faut pas non plus rêver, hein. Donc l'alliance entre moi et le roi d'Alba a été dissoute. Très bien, je sais pas trop pourquoi, mais... Ah, il y a un pacte défensif du groupe chrétien contre l'ancien empire romain. Ah, c'est intéressant ça. Je sais pas si... comment on peut rejoindre ça d'ailleurs. Tiens, comment... Je n'ai aucune idée de comment on peut former un pacte défensif. Je sais pas comment on le rejoint, mais... L'alliance et le pacte d'agression en 1600 vient du mariage. Ah, bah peut-être que c'était pas une de ces filles qui. Un de ces... Putain, j'avais un mariage avec eux. Ah, bah c'était. Ah, bah oui, non, mais je suis bête. Oui, c'était ma demi-sœur, elle qui est morte, donc ça a rompu. Bon, on s'en fiche. Honnêtement, pff, moi ça me pose pas trop de problème. Tac. Toi, tu viens sur Rennes. On va se regrouper là. Oui, aussi, j'ai détruit mon escorte parce que je m'étais pas rendu compte que, en fait, il vaut mieux que j'économise encore un tout petit peu. Ouais, excusez-moi, je clique n'importe où. Voilà. Attendre encore un petit peu, je devrais pouvoir renforcer cette escorte bientôt. 1,2, 2,3. Je pense qu'arriver à 2,4, ça devrait être bon. Donc, on va attendre, histoire de doubler cette escorte-là qui sera plus intéressante. Après, je sais très mal gérer les escortes, hein, vous me l'avez expliqué. J'ai du mal à voir comment l'intégrer dans un combat vraiment. Je suis désolé, hein, si je l'utilise mal, mais c'est un peu chaud pour moi. Est-ce qu'on y va gaiement? Ouais, on va y aller. Allez, il y a toujours des risques, hein, de gérer des troupes. D'ailleurs, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas gérer des troupes? Je fais quoi là? Ah, mais oui, on est en réclusion, c'est vrai. Non, bah dans ce cas-là, enfin j'ai quand même bien fait de le désactiver, mais on va plutôt prendre les autres commandants. Ouais, j'ai des nouveaux commandants hein, également. Ah, et oui, une chose que j'ai oublié de vous dire. J'ai refait le tour de tous mes comtés. Je veux avoir que des Normands. Donc j'ai certains endroits où ce ne sont pas des Normands. Bah, bien sûr, je vais pas les retrouver, hein, sinon c'est pas drôle hein, que je vous les montre du premier coup, bien évidemment. J'en ai quand même pas mal, hein. Lui qui est anglais, mais vous voyez son héritier est normand, donc c'est bon. Lui anglo-saxon, son héritier est anglo-saxon. Alors après, voilà ce que je propose en général. Pourquoi je l'ai pas fait d'ailleurs pour lui? C'est bizarre, j'ai dû le zapper. Changer ce sur quoi se concentre. Se concentrer sur le cas, je lui ferai. Ah bah voilà. Envoie une lettre demandant de changer. Ben, alors ce que j'essaie de faire, c'est d'assigner des tuteurs normands pour que un peu partout je force. Maintenant que je suis roi, je peux le faire. Bah ça, j'avais même pas vu que je pouvais faire cette option. Ben, on va faire ça. On va voir ce que ça donne. Il est d'accord. Bon, et ben maintenant, ce sera l'héritage. Et on verra bien ce que ça donnera.
Petit à petit, on y arrivera, hein, sachant que bon, c'est pas très simple à faire non plus, mais majoritairement, on devrait y arriver. Voilà, on les a écrasés. J'ai envie de vous dire, c'était assez simple. Voilà, donc un de plus. Une secte hérétique, militante et fanatique. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces gens-là? Pas grand-chose, hein. On va l'exécuter. Hein. Voilà. Je ne sais pas si le pape appréciera, mais... Ah, on a un enfant, bah on a notre fils, alors c'est le principal ou pas lui? Je ne sais plus, je suis perdu, excusez-moi. Ben non, c'est pas bien sûr pas le principal, mais enfin c'en est un deuxième quand même. Héritier. Elle est héritier du comté de Panthier. Ah bah oui, bah c'est la fameuse, bah je suis con moi. Et en plus on serait héritier de Arberoa, Arborea. Alors je ne sais pas où c'est. Où est-ce que c'est? Alors, comté d'Arborea. Ah oh ouais, on serait héritier de ça. Ouais, d'accord. Oh ben oui, on verra, hein. C'est pas le prioritaire. Donc lui, qu'est-ce qu'on va en faire? Il est pas mal en martial aussi. Après, ça va être mon frère. Je voudrais pas trop non plus. Le devoir. Allez, il va aller sur le devoir, lui. Et oui, pour finir, et vous voyez que je vous ai parlé, mais j'ai pas parlé tout. J'ai lancé des constructions un petit peu partout parce que j'ai pris du retard à certains endroits. Et là, il est temps que je rattrape mon retard. Bon, j'ai beaucoup moins de sous, hein. Les sous rentrent moins qu'avant, par contre, hein. Un peu moins, on va dire. Mais voilà, j'ai lancé des constructions de camps. J'ai vraiment pris du retard dans mes comtés, quand je vois où ça en est ailleurs. Donc voilà. C'est reparti. Donc là, ouais, on a une grosse épidémie, hein. Par contre, la fièvre lente. C'est bien bien chez nous quoi. D'ailleurs, j'ai regardé, elle est apparue en premier. C'est marqué, c'est marqué, c'est marqué. Ah, E. Donc ici. Donc forcément. Voilà, la duchesse. Voilà, donc maintenant c'est une duchesse. Et non plus un duc de Bretagne. Et en cas de son décès, ça revient chez moi. Donc c'est parfait. Elle est bien normande. Elle est bien normande. C'est impeccable. Ça me va. Alors la comtesse du Vexin a hérité. Le Vexin est là, elle est bien normande. Non, elle est française par contre. Mais j'avais regardé là, c'est plus galère parce que c'est des Carolingiens. Et pour le moment, c'est de voilà, de famille en famille. Va falloir que je chope un gamin de l'héritier pour pouvoir réussir. J'ai été un peu trop tard sur certaines choses. Bon, après, alors eux, je regarde pas les petits hein, non plus. Je regarde vraiment les comtes à partir des comtés. Hein. Le duc a usurpé le comté de Gloucester qui appartenait à la duchesse de Gloucester. Ah ouais? Donc il me rajoute un comté chez moi lui, non? Ah bah ouais, bah bien joué mon gars, moi je prends. Hein. Voilà, un comté de plus chez nous. Ah oui, j'ai amélioré mon hôpital hein, aussi. Voilà, ça coûte très 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 cher, mais on a voilà, on a maintenant la soupe populaire. Voilà, maintenant il faut des technologies hein, pour pouvoir améliorer le reste, mais on a la maison de malade niveau 1, la léproserie et la soupe populaire. On a un peu plus de résistance à la maladie, un peu plus de piété, d'opinion de la part des vassaux religieux. Donc, c'est toujours ça de prix. Allez hop. Les titres mineurs. Ouais, alors pareil, j'ai donné lui. Je sais pas pourquoi, il me faisait rire ce mec. Je lui ai donné le titre de bouffon parce qu'il en faut un. Voilà. Ouais, on peut nommer un nouveau commandant. Eh ben, on va prendre lui, notre duc de Lancastre. Il le mérite. C'est un croisé. Je sais pas s'il le mérite pour autant, mais enfin. On a lui qui nous doit une faveur d'ailleurs, mais pour le moment j'ai pas trop de solutions, je ne sais pas trop quoi en faire. Est-ce que je peux regarder, tiens, comme. Ah oui, je peux regarder mon arbre hiérarchique, qui sont mes plus puissants. Alors le plus puissant c'est lui. 30% à lui seul? Il est quoi? Comte d'Evreux, comte de Lincoln? Même pas un duc quoi. Il est plus puissant que les ducs. C'est dingue ça. Comté d'Evreux et Lincoln, très bien. Bref. Votre intendant, le bourgmestre Henri, veut parler des tunnels sous le château. Son avis est qu'ils devraient être mieux maintenus en ces temps difficiles. C'est une bonne idée. Alors, on fouille dans nos enfers et on lui donne une vieille carte. Je ne sais pas ce qu'il va en faire, mais... Ah, la maladie recule par là. Monseigneur! Le bourgmestre Henri vous rejoint alors que vous déambulez dans la grande salle. Il a l'air préoccupé, vous lui ordonnez tout... Ah! Vous lui ordonnez tout de suite, quel que soit... Bon, de tout dire, quelle que soit la nouvelle. Les tunnels, monseigneur! Ils ont été empruntés. Alors, soit on assigne plus de gardes à une embuscade, ou on les scelle.
Et on peut perdre bravoure. Non, on va pas perdre bravoure, donc on va mettre plus de garde. Méfiance, méfiance. Vos gardes ont capturé quelqu'un dans les tunnels. Cependant, la personne ne semble pas très stable. Les visages de vos gardes n'affichent pas le regard sanguinaire habituel alors qu'ils amènent de là la renarde, personne ayant l'air affamée, étrangement nerveuse. Qu'est-ce qu'elle est, le... Origine roturière. Elle a pas des mauvaises stats, hein. Jardinière. On va lui demander ce qu'elle a à dire pour sa défense. On approche de la porte fermée avec méfiance à l'intérieur. Elle parle en toute simplicité à elle-même. Les gardes vous disent qu'elle déclare avoir aimé quelqu'un à la cour. Ils étaient sur le chemin du retour au château lorsque l'être aimé est tombé malade. Dévastée par sa perte, elle resta dans le tunnel. Elle a un grain, monseigneur. Soit je la laisse rejoindre ma cour. Elle a pas l'air malade. Un peu une vieille folle, quoi. Ou elle devient dépressive, elle m'aimera moins. On va la laisser rentrer, on va pas être trop trop salaud. On veut se faire bien aimer quand même. Hein. Ah bah voilà, lui je lui ai donné une femme. Ah, lui je l'ai recruté, il est arrivé, il a force et géant quoi. Ça c'est du commandant quoi. Un géant avec de la force. Il a 20. Donc je l'ai marié à elle. Bon, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais au moins il a une femme. Et donc du coup, bah c'est bien, ils font des enfants. Des clameurs dans le couloir, vous voyez au milieu de la nuit. À l'extérieur de votre chambre, les ombres de fourches tapissent les murs et vous entendez crier. Vous fermez la porte derrière vous. Comment les paysans sont-ils entrés? Les tunnels devaient être sécurisés. Ah putain, les paysans sont rentrés. C'était un piège, je me suis fait avoir. J'espère qu'on va pas mourir. Alors que les paysans rebelles hurlaient le nom de leur chef, Adèle la renarde voulait charger furieusement et les tuer un par un. Ils ont réussi à pénétrer dans le château, mais ils avaient décidé qu'ils n'iront pas au-delà. Contre vous et vos gardes bien entraînés, les rebelles, avec une petite chance de l'emporter, la suite de la victoire, vont contempler la rudesse. On les a écrasés, on obtient cynique, on gagne 1 en compétence martiale, et on obtient rébellion au château, meilleur avis de tout le monde, et le risque global de récolte qui recule. Et cynisme, ça nous donne de l'intrigue, et puis un peu moins de piété, mais bon, on s'en fiche de la piété. Alors, le duc Edwin le Sage a usurpé le titre de duché de Gloucester qui appartenait à la comtesse de Oxford. Oula, mais il a deux titres de duc, lui. Ouais. Sauf que le titre du duché de Gloucester, c'est juste ça. Hein. Ah, ouais, donc là, par contre, on va peut-être devoir transférer le pacte pour former pour... Ouais, bah le pacte, c'est dissous. Oh la vache. Grande vérole, lunatique, ivrogne, anxieux, blessure grave. Au revoir. Ah bah oui, d'ailleurs, oui, bah c'est. Oui, bah oui, au revoir, c'est pour ça que d'ailleurs le pacte s'est rompu. Je suis bête. Il va falloir peut-être que je transfère là. Ça va pas plaire à notre cher ami, mais. Donc le duc de Lancastre, de Jure, il a ça, et là il a ça. Parfait. Par contre, le duché de Gloucester, il a ça, il devrait avoir ça. Et ça. Ça m'appartient à moi, donc il faut que je transfère le vassalage. Sélectionner un vassal à transférer sous l'autorité du comte. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est ça. Il faut que je transfère le comté de Winchester, voilà. Et par contre, lui, il a ça. Alors, je sais pas si je peux le faire, du coup. Le duc Norman la Grenouille. Je sais pas si je vais pouvoir le faire, ça. C'est le comté de Gloucester. Ouais, je suis pas sûr de ce pouvoir, ça. Non, je ne crois pas pouvoir. Alors, je pense pas pouvoir lui révoquer le titre non plus. Ça va pas lui plaire. C'est normal. Un vassal à transférer. Bah, écoutez, est-ce que son héritière va tout récupérer? Duché de Somerset, comté de Somerset, comté de Gloucester. Ouais, bon, bah écoutez, déjà je lui ai donné ça, c'est pas mal. Ça appartient à quel duché? Le duché d'Essex. Ok, donc on peut pas l'usurper, bien évidemment. La vision que ma femme a eue à la cérémonie des relevailles il y a plusieurs années était correcte. Adhémar devient un garçon étonnant. Ah oui, c'est vrai qu'on avait eu un truc dans ce sens-là, ouais. Il est musclé à 7 ans. Oh, il a l'air intéressant ce petit bonhomme-là. Nous verrons bien ce que ça donnera. Nous verrons bien. Alors, est-ce qu'un jour tu vas y arriver? Combien t'as de pourcentage de chance à 14 de me faire... T'as quoi comme autre stat? 18 en martial? Je pourrais te basculer en martial, mais c'est mon fils. Mon fils, je pourrais le basculer à l'intendance. Ça va devenir compliqué après. Hein.
Remarquez, non, c'est peut-être jouable, hein. Puis lui, je m'en fous. Ouais, on va faire ça. Alors, attendez, non. Avant de faire ça, parce que je suis bien sympa, mais est-ce que j'ai mieux en chancelier? Ouais, j'ai éventuellement mieux, ouais, quand même. 16, c'est pas énorme, mais... Revendication fabriquée, 0% par an? J'en ai déjà ou quoi? Attendez, qu'est-ce que j'ai foutu, moi? À Devon, ouais. Et là, je peux pas. Il a 0% de chance de faire ça. Bah oui, on est en réclusion. Je suis bête. D'ailleurs, est-ce que c'est encore le coup d'être en réclusion? Bah non, je peux ouvrir les portes. Hop là! Allez hop, on est reparti. Il est à combien donc? C'était buggé ou... Alors... Ah bah non, lui il est encore en réclusion du coup. Alors, ce qu'on va faire, c'est pas grave. On va... Excusez-moi, hein, c'est un peu bête. Ah bah oui, je peux pas parce qu'il vit en réclusion. Tant qu'il vit en réclusion, je ne peux pas. C'est pas grave, on va attendre qu'il soit plus en réclusion. Je peux choisir une nouvelle ambition. Voir le pays prospérer, constituer un trésor de guerre. Oui, un petit trésor de guerre, ça va être bien. Je peux extorquer mes sujets, organiser un banquet. Est-ce qu'on va extorquer nos sujets? On va extorquer nos sujets. Alors, votre trésor de guerre ne va pas se constituer de lui-même. Attendez, j'en ai assez d'être gentil. Donc, on est plus gentil. Bon. Les paysans de Mortain peuvent payer un impôt supplémentaire. Alix de Bourgogne est riche, elle peut s'en défaire un peu. Bon, allez, puis elle est bien, bien laide en plus, mais elle est rien du tout, elle. Ah ouais, non, mais en plus elle est possédée. Allez, parfait! Donne-moi ça. Elle comprend pas. Il n'y a pas de souci, on a une grosse rivalité. Il n'y a pas de problème, de toute façon. Je peux pas la faire emprisonner. L'affronter en duel, ah, ce serait drôle. Bon, après, elle serait capable de me tuer, alors ce serait le bad quand même. Hein. Mais elle va pas vouloir. C'est mal vu parce que c'est une femme. Bah oui, forcément. On peut la. Ouais, on est un peu dégueulasse sur les bords, on va essayer de l'assassiner. De toute façon, elle a pas l'air très appréciée. On va faire ça, allez, pour le fun. Je suis même pas obligé de le faire, mais je trouve ça drôle. On a une réputation de tueur à maintenir, nous. Voilà, c'est lui. Alors lui, il est de retour. Lui, non, toujours pas. Mais on va quand même changer son poste à notre fils. On va lui proposer de devenir intendant. Oula, c'est pas la même gueule, hein. Ensuite, eh ben, il va faire des recherches de progrès économique. Ici. Lui, il va faire ça. Mais c'est juste le temps que lui, là, à Sussex... Soit plus en réclusion, d'ailleurs il n'y a plus besoin, la maladie est passée, tu peux revenir. Ah, bon, les informations ont filtré. Ah, mon vassal. C'est lui. Je ne tolérerai pas ce chantage, j'en ai rien à foutre que tu parles, t'es vraiment un connard d'ailleurs. C'est le comte de Léon, lui? Non, pourquoi il y a Léon là? Ouais, bon. Ouais, le roi d'Angleterre qui hérite d'une baronnie. Je suis ravi pour lui. J'ai réalisé l'ambition d'avoir un trésor de guerre, c'est bon. Voilà, au passage. Bah, maintenant, voir le pays prospérer. En restant en paix pendant 5 ans. Je ne garantis pas. Mais genre pas du tout. Edmund, votre connaissance est mort. Encore, c'était un ami à moi peut-être lui. Oui, il était peut-être, ça me dit quelque chose effectivement. Bon bah. Ah. Alors. Hop. On va pas se prendre la tête. Hop. Un peu d'argent, et puis je pense que ça va bien les calmer de faire des rébellions. Oula. Par contre là, c'est quoi ça? Une nouvelle... La rougeole. Ah, notre fiche souffre de dysenterie.
On va faire venir immédiatement notre physicien, bien évidemment, bien évidemment. Il va falloir que je regarde un peu les mariages des enfants aussi. Enfin, les fiançailles. Après un traitement adéquat préconisé, ma fille se sent beaucoup mieux. Eh ben, on va faire son éloge. Ah, bah le duc Normand la Grenouille est mort. Alors, est-ce que c'est dans des conditions suspectes? Non, même pas. Il est mort d'anxiété. Hein. Et donc, ah, ma femme est enceinte encore. Oh, quelle grosse. On est en train d'agrandir la famille avec eux. Hein. Donc, comté de Gloucester. Bon, on peut pas toujours pas lui révoquer, hein, j'imagine. Non. Bah, notre princesse qui a 12 ans, qui a la dysenterie. Et sans éducation. On va la faire sur le. Voilà, sur ça, c'est très bien. Ça y est, alors lui. Changer de poste au sein du conseil. Il va devenir maréchal. Et le chancelier qui était nul, on va le remplacer par lui qui est pas mal. Ou le comte d'Evreux. Ouais, vassal puissant. Non, on va prendre lui. Et lui, il peut fabriquer des revendications. Voilà, et ici. Il faut que je surveille toujours. Elle n'a pas, elle n'est pas enceinte. C'est parfait. Pourvu que ça continue. Le bourgmestre Henri pense que je prends trop de risques avec mes phrases qui a tenté de me raisonner pour que j'arrête de risquer à ma vie. Mais c'est tellement exaltant! Ah, je pourrais l'affronter en duel. Ah, c'est risqué quand même. Hein. Pour être sûr, quoi. Parce que le tuer, c'est mort. Hein. Comploter pour le tuer. Bon, en même temps, il est encore enfermé. Et on va pas tarder de se réenfermer hein, parce que c'est en train de. C'est en train de partir en sucette. Toi, tu vas me faire des recherches militaires. Pas pourquoi il est pas content d'un coup. Lâcheté, tyrannie, convoite le duché, forte ambition, abandonner les roturiers, meurtrier reconnu, bla 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 bla. Ouais, bon. C'est pas grave. Sous l'emprise de l'alcool, il a parlé de mon complot. Pff. Non, mais sans déconner, quoi. Ils étaient bien les deux là, les borgnes, un qui est borgne et machin, l'autre qui possédait bec de lièvre. On va faire autre chose, on va essayer de la marier ailleurs. Ouais, mais c'est que des gens qui sont chez moi. Mais personne veut de ça en même temps, tu m'étonnes. Qui voudrait de ça? T'as bien la gueule toute seule toi. Un problème ou? Quoi ton souci? Couvert de boue. Ah bah c'est bien, c'est bravo. On va. Est-ce qu'on organise un banquet? Oui, on va organiser un banquet. Je vais regarder aussi dans quoi je peux investir. La cavalerie, c'est très bien d'un côté. Et là, le quartier militaire, c'est bien aussi. Allez, on continue. Ah, 2,4 chevaliers. Ah non, je peux pas en faire une deuxième. C'est marrant ça. Pourtant, la taille maximum est à 1200. Alors, moi, est-ce qu'on puisse faire qu'une seule fois Vous n'avez pas assez d'argent. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai pas assez d'argent. Bah, sinon, je vais pouvoir le faire. Ouais, c'est pas grave, l'argent. Ça va, ça vient. Mais bon, quand ça vient, ça va. Je suis bien chaud quand même, j'ai bien envie de le. Je peux plus, mais j'ai bien envie de l'affronter en duel quand même. Je suis combien moi? J'ai 57 de compétences de combat. C'est sympa quand même. Pardon, j'étais plus en lecture. Oh, on quitte une épidémie pour une autre. Le comte de Trégor a fourni des informations sur le bourgmestre qui a répondu des. Ouais, bah il a peut-être un petit peu mécontent que je l'ai viré du conseil, mais bon, allez, on s'en fout, hein. C'est qu'un bourgmestre. Allez, on dépense sans compter pour la nourriture. Ah, on va lui acheter quelque chose, on perd un peu de l'argent, mais bon, on peut gagner charitable ou gentillesse. Peu de chance quand même. Bon, ça ne s'est pas fait. Et on invite les gens. Alors, il y en a qui vont refuser de venir, comme toujours. C'est pas grave. Va peut-être être bien de fermer les portes là. Non, je peux pas de toute façon. Ah, il est en train de festoyer.
On va l'amener à la chasse. Bienvenue à mon banquet. Du prestige parce que c'était cool. Sa femme veut des nouveaux vêtements. On va lui dire que non parce qu'on a un bon niveau en diplomatie. Ouais, on va peut-être pas emprisonner notre propre bouffon quand même, hein. Ouais, allez. On est aspirant fauconnier, on gagne de la diplomatie, notre faucon a bien assuré. Donc le roi d'Angleterre, nous pensons que le prince Marc d'Angleterre épouse Agnès. Qui est Agnès? Non. J'ai rien à avoir envie. Enfin, j'ai. J'ai pas envie d'avoir affaire à toi, d'une façon ou d'une autre. Hop, c'est bon. Donc on va refermer les portes maintenant, c'est possible. Merci. On scelle les portes, voilà. À nouveau, malheureusement. L'ordre de Santiago a été fondé en Hispanie. Le Saint-Empire romain est jusqu'à là, quoi. Putain, la violence de l'Empire romain, quoi. Enfin, du Saint-Empire romain. Du Serg, comme on l'appelle. Et on a un nouveau garçon. Alors, on va pas l'appeler Ginoff, on va l'appeler Osberne. Oh, des jumeaux! Drogo, tiens. Ouais, c'est marrant ça. Oh là les... Eh ben, là, on a bien agrandi la famille. Alors, attention, parce qu'il y aura de la jalousie derrière. Hein. Espérons qu'avec lui ça se passera. Le nouvel oiseau est presque trop parfait. J'apprécie chacune des parties chasse que je fais en sa compagnie. La cuisinière a du mal à trouver de nouvelles recettes de lapin. On peut devenir fauconnier. On va devenir fauconnier. Fauconnier parce que c'est classe. D'abord. Ok, bon bah après, ouais. Hein. Donc notre fille peut se marier avec Manrique Marquas, le roi d'Aragon, qui est héritier du duché d'Anjou. Eh ben, allons-y. Ah oui, j'ai vu ça, j'ai vu que oui, effectivement, l'Anjou va probablement basculer. Enfin, la France va être encore un peu plus affaiblie. Parce que tout ça devrait basculer. Devrait basculer au roi Pedro de Aragon. Donc l'Aragon devrait arriver un peu en dessous de chez nous. Ça peut être une bonne chose, hein, d'ailleurs. Ou pas, on verra. Et c'est parti, la maladie s'étend bien comme il faut. Ouais, j'ai un peu de parano hein, d'ailleurs hein, par rapport à cette situation. 47 ans, bon, il y a de plus en plus de chances que ça n'arrive pas. Surtout pas l'assassiner elle, parce que déjà je pense que c'est faible. Voilà, et puis il risquerait de se remarier et ça passerait. Faut vraiment que je le provoque en duel, mais là je pense qu'on peut plus. Ouais, donc la vie en réclusion n'est pas si mal, mais la nourriture restante est fixée à 5, donc ça commence à devenir craignos! Ah, et puis alors là, putain, on se fait bien enchaîner par les épidémies. Hein. La rougeole qui a démarré à Retz. Enfin, en ce moment, c'est Retz, eux, donc on est. Ça tourne autour là. On a cherché dans les moindres camps et on est arrivé qu'il n'y a plus de tête de sanglier. Aïe aïe aïe. J'aurais bien fait une chose. Alors, je sais pas si ça marche toujours de faire ça. Si j'ouvre les portes. Si je rentre dans mon. Je vais tenter pour le fun. Hein. Je sais qu'avant ça marchait, là je ne sais pas. Putain, 267%. J'ouvre les portes. Je prends le contrôle de ça. Je m'en vais là-bas. Et est-ce que je peux refermer les portes? Après je me barre. Hein. C'est un gros truc de salaud, mais. On va fermer les portes dès que possible. Alors, avant ça marchait, j'espère que ça marche toujours. Faut peut-être faire gaffe hein, quand même avec ça. C'est peut-être pas une très très bonne idée. Hein, mais... Ouais, c'est quelqu'un. Ouais, je pense qu'elle va finir par crever, elle. Bon, on s'en foutait un peu, hein, mais je.
Vous avez repris une partie du poids que vous avez perdu. La pénurie alimentaire est enfin terminée. Bah oui, forcément. Forcément. Salut. Elle est tombée comme un fruit pourri. Il nous a dénoncé. Ouais, bah de toute façon, je pense qu'on était. C'était bien su, hein. Non, on va pas organiser de banquet, on va refermer les portes dès que possible. Mais c'est pas tout de suite quand même, hein. C'est que j'ai vraiment peur, ouais, qu'on crève de la nourriture. Selon votre chancelier, les paysans de Kent ont la charmante tradition de se rencontrer entre villages voisins pour danser, festoyer, former des couples pour de futurs mariages. En faisant la promotion, ils pensent que le côté développera. Une culture locale forte qui attirera les paysans. Bah ouais, bien sûr. Voilà, donc elle est morte. On lui a piqué son fric, et puis voilà. Hein. Je sais pas si sa lignée s'arrête. Non, sa lignée s'arrête pas non plus pour autant, la maison de Bourgogne, mais bon. On continue de surveiller ici. Sa femme n'est pas enceinte. Je ne peux pas lui proposer duel. Je peux pas l'assassiner. Oui, il a fermé ses portes en même temps. Le comte de a formé une alliance avec le comte de Sussex. Ouais, hein, alors ça, faut le savoir, c'est que pour le moment, au niveau des lois, vu que maintenant on est un royaume, voilà, on peut pas. Les guerres des vassaux sont autorisées, hein, donc il peut arriver plein de choses. Je pourrais les interdire, sauf à l'extérieur de mon royaume, mais on n'en est quand même pas là. Les temps sont durs, mon fils a une étrange rougeur, ouais, par contre, ça c'est le risque. On fait évidemment venir le physicien, le problème c'est que j'ai oublié que je ne peux pas refermer les portes tout de suite. J'aurais dû anticiper et me barrer en fait, c'est ce que j'aurais dû faire. Mais bon, bah c'est fait, hein. Plus de grandes questions. Ah oui, est-ce que je voulais voir aussi? Ouais, bah comme d'hab, on a des trucs qui risquent de quitter notre comté à la fin. Bon, on verra. Hein. On fait immédiatement venir. Ouais. Aïe, 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 aïe. Tu voyais, ça c'est la voilà, ma grosse erreur est là, c'est que je risque d'avoir des enfants qui vont mourir. Nous verrons bien. Voilà. Comment décimer sa famille en deux leçons? Grosse erreur de ma part. J'ai fait ça pour sauver ma vie. Après, peut-être qu'on serait tous morts aussi dans la famine. Hein. Après, hein, les maladies, faut bien que les maladies nettoient un petit peu aussi. Hein. Bon, c'est bientôt. Ça commence à se résorber, mais on voit bien que là, ça y est, il n'y a plus rien. Van non plus. Et puis, alors maintenant, refermer avec les gens à l'intérieur, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne crois pas. Donc je pense que ça va rester comme ça. Et on va croiser fort les doigts. Et pas que les doigts. Et vous voyez, ça se résorbe. Là, on le voit, un renne non plus, Penthièvre. C'est pas le moment de renfermer les gens à l'intérieur. On voyait qu'elle, elle était galloise. J'ai mis un tuteur. Je sais pas si ça marchera ou pas. Le duc de Somerset. Elle est morte déjà. On voit, ça va vite, hein. On peut organiser un banquet. Non, merci. Allez, on voit que Mortain, ça s'est enlevé. On va voir à Caen. Pour le moment. Alors, la guerre est une entreprise difficile. Les soldats demandent plus d'argent. Je n'ai aucun doute qu'on puisse lui donner. Diminue le facteur de paiement par bande de Caen de moins 2 à moins 3. Je n'ai aucun regret de vous informer que cet argent devra provenir de votre poche, puisque les gens qui combattent ne sont pas ceux qui restent assis sur leur trône. Laissez-les garder un peu de cet argent. Parce que ça nous rapporte du fric, ça, en fait. J'avais pas fait gaffe, moi. Bah, ça commence à être. Il y a quand même une belle bande, hein. Mais je sais pas si comment ça fonctionne. Diminuer le facteur de paiement de moins 2 à moins 13 ou de moins 1 à moins 14. Mais je vois pas où c'est. C'est pas très décrit les revenus. C'est ce que je leur reproche un peu. Enfin, pour moi, c'est. Ou alors, c'est pas clair pour moi en tout cas. Il est évident qu'il faut qu'ils soient bien récompensés ou laisser-les garder un peu de cet argent.
Ah, c'est entre les deux, quoi. Soit entre moins et moins 14 ou moins 2 à moins 13. On va faire le premier. Et on est devenu charitable. Ouais, ça me fait perdre un peu de... Je suis pas sûr que j'ai bien fait, mais bon. Ah, le roi finalement fait une alliance avec le roi de Gwynedd, d'accord. Le petit roi de Gwynedd, pardon. Bon, c'est un choix. Je les voyais plutôt se péter la tronche, moi, mais... Alors tiens, je refais un petit point sur nos enfants, mais visiblement, bah, ils vont tous bien, hein. Enfin, pas eux encore. Ouais, et puis c'est tout. Enfin, pas tous des génies, mais en partie. Alors justement, faut que je refasse un point, je l'ai dit. De toute façon, l'épisode, je vais l'arrêter là. Je vais regarder un petit peu tout ça pour mes enfants, si je peux faire des alliances, etc. Et puis dans 2 jours, ben, vous aurez la suite. Merci à tous de m'avoir suivi. Vous pouvez toujours, comme d'habitude, me mettre des petits pouces si vous en avez envie. Ouais, je le demande vraiment pas souvent ça. Et de toute façon, vous le faites de vous-même et c'est très sympa. Et surtout des commentaires, laissez-moi des commentaires, vous avez vu, je vous réponds. Moi, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. C'est vraiment cool, on rigole bien. Et bah, je vous dis une très très bonne journée. Portez-vous bien et on se dit à après-demain pour la suite. Merci à tous, bye bye.